États-Unis, donc la fréquence augmente. Vous imaginez si on fait la somme de ces deux signaux, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ces deux harmoniques. Ici, on trouve un sirti et l'autre fréquence ici. D'accord? Si on fait la somme. Voilà. Avant d'étudier le signal réel, qu'est-ce qu'on fait? Il faut étudier le signal à l'état sain. D'accord? Pour donc faire une étude, pour faire une étude donc spectrale, il faut passer par l'état sain. Et là, on a des harmoniques très importantes qui existent même à l'état sain. Pourquoi? Puisque le nombre de barres n'est pas infini. Et madame, le nombre de barres n'est pas infini, il va créer des harmoniques dans le stator. Alors, pourquoi? Comme vous voyez ici, nous avons l'induction magnétique dans notre fer en épi sinusoïdal déjà. Elle est fonction de différents paramètres tels que la distribution ou bien la disposition du bobinage. Le bobinage n'est pas infini. On a un certain nombre d'encoches et donc l'induction n'est pas sinusoïdale. Et aussi, on a la structure de la cage. Aussi, le nombre de barres n'est pas infini. Il est fini. Et à cause de cette structure, qu'est-ce qu'on voit? On démontre à partir donc de la théorie du champ qu'il y a des harmoniques. On les appelle les harmoniques d'encoche rotorique. Et là, ce sont les fréquences de ces harmoniques. Pourquoi ils existent? On a un champ tournant dans la machine électrique, triphasé, qui est dû donc au bobinage statorique. Ce bobinage statorique va créer un champ magnétique donc qui sera vu par le rotor, donc il va aller vers le rotor, et puisque ce champ est variable, donc il va créer dans le bobinage qui est fermé du rotor, puisqu'il est ce sont des anneaux et ils sont liés par les barres, donc on a un certain nombre de circuits électriques finis, et dans chaque circuit, il y a un courant rotorique créé par la variation du champ magnétique dû au stator. Et chaque barre va induire un courant, ou bien elle va créer donc chaque spire dans le rotor va créer donc une force électromotrice dans le stator. Elle va comment? Donc elle va, il y aura un flux magnétique rotorique variable et ce flux va être vu par un bobinage statorique comme une force électromotrice de réaction magnétique du rotor. Et donc il y aura des harmoniques ou bien un signal électrique dans le stator qui va s'ajouter à l'harmonique 50 Hz. Et là, il est défini par cette formule. Avec donc F, c'est la fréquence de rotor slot harmonics, égale à K, qui est un entier, c'est une constante, on peut avoir 1, 2, 3, etc. NR est le nombre de barres rotoriques. P est le nombre de paires de pôles. G, c'est le glissement qui est égal à NS moins NR sur NS. On a une certaine valeur ou bien une constante qui s'appelle nu. Nu, c'est une fonction qui dépend des harmoniques du temps de la tension. Elle est variable. Elle peut être égale à 1, 2, 1, 3, 5, etc.
FS, c'est la fréquence d'alimentation qui 50 Hz ou 60 Hz. Ça dépend du réseau. Et là, pour K égale 1, nu égale 1, on a le cas le plus simple. On définit ce qu'on va appeler les harmoniques d'encoche principale. Donc, ce sont même à l'état sain, comme vous voyez ici. Même à l'état sain, on trouve ces harmoniques. Donc, ce ne sont pas des harmoniques de défaut. Alors, on va prendre un exemple. Ici, j'ai une machine électrique. Je lis donc la plaque signalétique. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une machine asynchrone triphasée, 6,6 kV comme tension d'alimentation. La puissance est 3600 kW, 4830 chevaux. Le courant nominal, 376 ampères. La vitesse de rotation nominale est 3500. Donc, la fréquence, donc, elle est 60 Hz. Donc, la fréquence, le synchronisme, il est à 3800. Le facteur de puissance, donc, 0,88. Le rendement, 95%. La connexion, elle est en étoile. On a un nombre de barres égal à 46. Calculer les fréquences. Si on applique cette formule, on remplace K égale 1, nu variable. On remplace NR, P, on calcule le glissement et on remplace FS par 60. Donc, on a la formule FRS, rotor slots, ça veut dire barre ou encoche. NR sur P fois 1 moins G plus ou moins nu fois FS. 1 moins G sur P et la vitesse de rotation. FR en Hertz, et je remplace donc NR par 46, FS par 60, nu variable, égale 1, 3, 5. On trouve des fréquences donc aux alentours de 3 kHz. Et là, on voit à gauche ces fréquences qui sont dans le courant d'alimentation, même à l'état sain. Ça veut dire que le moteur, il est bon ici. Donc, on a l'harmonique 5, enfin FS de 5, qui est égal à 3032. On a FR plus 3, qui est égal à 2900, plus 1, c'est ici 2800 à peu près. FR moins 1, c'est 2600, moins 3, 2500 et moins 5, 2432. Ça, c'est un exemple. Autour, dans les basses fréquences, ou bien on peut aller même jusqu'au 1 kHz, ou 2 ou 3 kHz, qu'est-ce qu'on a? On a les fréquences qui sont dues au réseau électrique, qui n'est pas sinusoïdal. Donc, quand on mesure ou bien quand on fait le traitement de signal de la tension d'alimentation du réseau, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la fréquence 50 Hz, on trouve la fréquence 150 Hz, 250 Hz, 450 Hz, etc. Ça, ce sont des fréquences qui sont dues au bruit dans le réseau, ou bien la pollution du réseau. D'accord? Donc ici, on a l'harmonique fondamentale 50 Hz et on peut trouver les harmoniques impaires qui sont dues au réseau électrique et aussi à d'autres phénomènes dans la machine électrique. Ce signal est un signal donc fréquentiel du courant d'alimentation à l'état sain. Et donc, normalement, à l'état sain, on trouve ce signal. Et s'il y a un défaut, normalement, on va trouver d'autres harmoniques qui seront différents de ces harmoniques. D'accord? Alors, par exemple, autour du 50 Hz,
Donc, si on vient ici, autour de 50 Hz, on va trouver d'autres harmoniques. Alors, puisque les allures temporaires ne donnent pas d'informations, puisque ces harmoniques ont un module très faible, qui peut être le centième du courant d'alimentation. Si le courant d'alimentation égale 100, l'harmonique avoir beaucoup d'informations sur l'allure temporaire, et il faut aller donc vers les méthodes de traitement de signal comme la méthode de FFT, de Fourier, donc le transformé de Fourier. Pour un défaut de cassure de barre donc rotorique, il y aura de nouveaux harmoniques dans les courants statoriques avec six fréquences. Donc F barre cassée égale 1 plus ou moins 2 KJ multiplié par FS. FS, donc c'est le signal du réseau, donc 50 Hz ou 60 Hz. J, c'est le glissement qui égale donc à NS moins NR sur NS. K, c'est un entier. Donc si K égale 1, qu'est-ce qu'on a? On a 1 plus ou moins 2J fois FS. Le glissement, il est à peu près de l'ordre de 2, 3, 4% au maximum. En plein charge, bien sûr. Vous avez normalement étudié ça. Pourquoi ces harmoniques existent? Pourquoi ces harmoniques existent? On va expliquer pourquoi. D'accord? Normalement, le stator est symétrique, le rotor est symétrique. Mais s'il y a un défaut dans une barre, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un défaut donc dans la barre qui va engendrer une asymétrie dans le rotor. Cette asymétrie donc va créer un champ magnétique inverse. Nous, qu'est-ce qu'on sait que quand on a un champ magnétique tournant statorique, dans le rotor, il y a un autre champ tournant rotorique. Ils tournent les deux dans le même sens. S'il y a un défaut dans le rotor, il y a création d'un champ magnétique tournant inverse, mais à une fréquence qui est égale à moins JFS. Alors que le champ tournant rotorique classique, il tourne à la fréquence JFS, qui est due donc au courant induit dans le rotor. Et s'il y a un défaut donc, qu'est-ce qu'on aura? Ce courant de fréquence moins JFS va donc engendrer, va créer des courants induits dans le stator. D'accord? C'est le même phénomène que le phénomène de rotor slot harmonique, les harmoniques. C'est un peu le même phénomène que celui-là. D'accord? C'est le même phénomène. Là, on a des harmoniques qui sont définies par cette formule. Maintenant, on a d'autres harmoniques qui sont définies par cette formule. Et donc, ça, c'est un courant engendré dans le stator à une fréquence, donc, 1 moins 2J, à une fréquence 2JF. D'accord? Et donc, là, on aura dans le courant statorique le courant F, qui est le courant, donc, c'est la fréquence d'alimentation. Donc, ici, on a la fréquence F, c'est la fréquence d'alimentation, moins 2JFS. 2JFS, c'est la fréquence du courant qui est due donc au champ inverse, qui est due bien sûr au défaut de barre, ou bien au défaut de
d'asymétrie dans le rotor. Le rotor n'est plus symétrique. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette fréquence provoque une modulation du courant. Donc, il y aura une variation dans l'amplitude du courant. Il y aura un signal qui s'ajoute avec une faible valeur en amplitude. Ce signal va créer des oscillations du couple. Donc, un autre signal dans le couple qui sera oscillatoire. Et là, puisqu'on a un couple oscillatoire, donc il y aura une fluctuation ou bien une variation dans la vitesse. Et cette variation dans la vitesse dans le stator. Donc, on va avoir un autre courant qui sera ajouté dans le stator avec cette fréquence 1 plus 2J multiplié par F. Et dans l'ensemble, on aura les deux. D'accord? Et on aura un autre phénomène. Au lieu de 1 moins 2G, il y aura à peu près 1 moins 4G, 1 moins 6G, etc. D'accord? Et donc, finalement, on aura la formule générale. Il a été démontré donc qu'un processus répétitif donne naissance à une série d'harmoniques. Donc, en général, on aura plusieurs harmoniques. Il y aura donc l'harmonique 1 moins 2J multiplié par F, 1 plus 2J multiplié par F, 1 moins 4J multiplié par F, 1 plus 4J multiplié par F, etc., etc. Mais avec des amplitudes beaucoup plus faibles, d'accord? Voilà. Un exemple de l'état sain. Je suis à peu près autour de 50 Hz. Donc, je ne peux pas voir les RSH. Et ça, c'est un signal de simulation. D'accord? S'il y a un défaut, qu'est-ce que je remarque ici? Ici, je remarque donc l'harmonique 1 moins 2J multiplié par F. Cette fréquence, normalement, ici, j'ai la fréquence 50 Hz. Comme vous voyez ici, il y a l'harmonique de fréquence F moins 2J F. Et là, j'ai l'harmonique F plus 2J F. Puisque le glissement est très faible, il est à peu près de l'ordre de 3% à peu près. Donc, 2J F à peu près égale à 3. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai à peu près 40, 50 et quelques, 52, 53 Hz. Ici, j'ai à peu près 48, 49, 47. Ici, j'ai l'harmonique pour K égale 2. Ici, K égale 1. Ici, K égale 2. Alors, l'amplitude ici, le plus important justement dans le diagnostic, c'est de suivre l'amplitude de cette harmonique. Parce que si cette variation qui indique s'il y a un défaut ou non. D'accord. Il faut se souvenir que la dernière fois, nous avons discuté du seuil. Ici, c'est ça le seuil. D'accord. Ici, donc, le seuil, c'est ça. C'est ça le seuil. C'est cette différence d'amplitude. Donc, ici, elle est définie par 20 log I nominal sur IJ. Donc, ici, nous avons l'axe Y, pas en ampères, mais en décibels. Pourquoi? Je vais expliquer prochainement cette différence, pourquoi on travaille en décibels, pas en réel. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la fréquence fondamentale, 50 Hz. Ici, c'est la fréquence F moins 2 S ou bien J fois F. Ici, nous avons F plus 2 J F. Et là, ici, donc, j'ai la différence en amplitude. Si cette différence, c'est-à-dire que ici, c'est cette différence qui va me dire s'il y a un défaut ou non. D'accord?
Voilà. Ici, comme vous voyez, nous avons une simulation. Donc, c'est un modèle de simulation. Ici, nous avons donc les spectres pour une barre cassée. C'est une simulation. Et là, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fréquence 50 Hz et les autres fréquences. 1 moins 2G fois FS, 1 plus 2G fois FS, 1 moins 4G fois FS, 1 moins 6G. Donc, on a remplacé ici K par 1, K par 2, K par 3. Ici, donc, dans l'autre côté de la fondamentale. Donc, nous avons des harmoniques à gauche qui sont dues au défaut de barre et nous avons des harmoniques à droite qui sont dues aux variations de la vitesse ou bien aux fluctuations du couple. D'accord? Et là, qu'est-ce donc pour voir l'influence ou bien le tafir, qu'est-ce qu'on fait? On varie le moment d'inertie. D'accord? Si on varie le moment d'inertie, si on varie le moment d'inertie, donc on peut voir l'influence sur 6 harmoniques. D'accord? Ici, nous avons un signal expérimental d'un moteur de à peu près 1 kW. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque la fondamentale. Ici, il faut voir que 0, qu'est-ce que ça veut dire 0? Décibel. Ça veut dire ici, on a I nominal sur I nominal, et J, c'est I gauche, c'est cette valeur. Le log 1 égale 0. D'accord? Log 1 égale 0. C'est pour cela, ici, nous avons 0. Pourquoi? Parce que I nominal sur I nominal égale 1. Donc, log 1, c'est 0. Et là, IJ, c'est le module en ampères. Si on remplace ici, on a la valeur nominale sur la valeur. De la variation due au défaut, et là on a l'amplitude en décibels. D'accord? Ici donc nous avons l'amplitude 0 qui donc la fondamentale. Ici nous avons à peu près moins 45 décibels, c'est l'amplitude de la première fréquence. Pour K égale 1, donc 1 moins 2J fois FS. Ici, nous avons la deuxième, 1 moins 2J, moins 4J fois FS. Ici, 1 moins 6J, etc. Ici, à droite, nous avons les harmoniques dues aux variations de la vitesse. Comme vous voyez ici, j'ai 1 plus 2J, 1 plus 4J, 1 plus 6J, etc. D'accord? Ici, donc, on voit qu'il y a un bruit. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Dans la pratique, en principe, on néglige cette partie. Donc, on travaille à peu près entre 0 et moins 60 ou moins 70 décibels. D'accord? Tout ça, donc, c'est un bruit. Ici, donc, la définition des seuils. On a expliqué dans un cours précédent que pour suivre l'état de la machine, ici donc suivre l'état du rotor, il faut calculer donc la différence entre l'harmonique fondamentale et les deux harmoniques 1 moins 2j multiplié par fs ou 1 plus 2j multiplié par fs. Et si donc ici nous avons donc ça, si ce sont des données expérimentaux. Des moteurs de grande puissance. Nous avons ici une charge nominale et ça, c'est l'état du moteur. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce sont donc des données expérimentaux. Ici, nous avons le grand N. Si on suppose que l'amplitude du fondamental 0, si on est à plus de 60 Hz, si on est à plus, donc on a un très bon moteur. D'accord. Si on est entre 54 à 60, c'est un bon moteur. Donc ici, nous avons l'état du rotor.
si l'amplitude est inférieure à 50 décibels, on va revenir. Donc ici, si l'amplitude, donc, supposons que cette valeur, cette amplitude vient ici. Donc si elle est ici, donc ici nous avons vert. D'accord? Nous avons donc on va suivre cette amplitude si elle est ici par exemple. Supposons qu'elle est ici et elle augmente. Jusqu'au 50, on peut dire que le moteur est bon. Mais à partir de 50, si elle monte encore, là donc on est en train de mesurer cette différence. D'accord? Donc on est en train de mesurer la différence entre cette fréquence et cette fréquence. Cette fréquence et cette fréquence. Très bien. Alors, maintenant, si on est entre à peu près 40 et 50, on est en vert. Donc, il y a des petits problèmes. Mais on peut continuer à travailler. Donc, le moteur, donc, il y a 10 développements. Un problème dans les joints. Il y a peut-être des fissures, mais des petites fissures, qui donc n'influent pas sur le moteur. Mais là, puisque à partir de 50 décibels, il faut essayer de réfléchir pourquoi il y a ces problèmes. Pourquoi l'amplitude augmente, pourquoi la différence diminue, ou bien pourquoi l'amplitude de la fréquence 1-2G augmente. Si l'amplitude de la fréquence 1-2G augmente, 1-2G fois F augmente, ça veut dire qu'il y a des petits problèmes. Et là, il faut essayer d'ouvrir la machine. Et il faut avoir au moins un mois maximum peut-être pour essayer de corriger. Donc là, on n'est plus dans la maintenance conditionnelle, mais on revient à la maintenance de réparation. Donc là, on voit ننتقل من الصيانة الوقائية إلى الصيانة الإصلاحية. لهنا راح نفكروا في إصلاح المحرك لأنه cette amplitude ou bien cette différence a diminué. Et là, si on est à peu près au-dessous de 35, ou bien dans les environs de 30, 40 par exemple, il y a donc des défauts. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, si on est entre 36 et 42, deux barres, il peut y avoir deux barres cassées. Ici, 30, 36, plusieurs barres. Inférieur à 30, plusieurs barres. Donc là, on est dans le rouge ici. C'est-à-dire, le problème des cassures de barres, c'est qu'il peut continuer à travailler, même ici dans le rouge. Le moteur continue à travailler, mais à un moment donné, il va s'arrêter. Et nous, on ne veut pas justement qu'il s'arrête. Mais d'abord, on a la zone rouge, la zone Adil Hamra. C'est pas bien. Parce que là, il va vibrer beaucoup, le rendement va diminuer, beaucoup de vibrations. Et il y aura de la casse prochainement. C'est pour cela qu'il faut arrêter le moteur. Il y a des indices, comme vous voyez ici, pour estimer le nombre de barres. Ce n'est pas vraiment important d'estimer le nombre de barres, parce qu'une barre cassée, déjà, il y a un problème. Mais bon, ici... Donc, c'est une formule qui est empirique, expérimentale, qui est basée sur l'application de cette méthode sur plusieurs milliers de moteurs. Et donc, qu'est-ce qu'on utilise? Un facteur de barre cassée. On appelle en anglais broken bar factor, qui est égal à 2NR. Donc, cette formule, on l'applique sur 10 puissance N sur 20 plus 2P. P est le nombre de paires de pôles. N est la différence d'amplitude entre la fondamentale et l'harmonique 1-2G Fs en décibels.
Un R est le nombre de barres. Donc, si on connaît le nombre de barres, on applique cette formule. Et si cette valeur est supérieure à 0,5, il y a une possibilité de défaut de barre rotorique. D'accord? Et même, on a démontré expérimentalement, si on trouve BBF égale 2, ça veut dire qu'il y a deux barres cassées. Si BBF égale 3, on a 3 barres. Si BBF égale 4, on a 3 barres, 4 barres. Mais ce n'est pas vraiment important. L'essentiel est de suivre ce facteur. Et s'il est supérieur à 0,5, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est le plus important. D'accord? Malheureusement, les machines électriques ne travaillent pas au point nominal. Dans l'industrie, pratiquement 80% des machines asynchrones travaillent en dessous du point nominal. Mais, d'après ce que j'ai remarqué dans la courbe ici, ou bien dans ce tableau, cette définition des amplitudes est pour la valeur nominale, ou bien le courant nominal, ou bien pour le couple nominal ou la charge nominale. Alors, il faut faire donc des corrections. Ici, il faut la charge. Par exemple, si on est à 50% de la charge, on n'a pas le même glissement. On n'est pas avec la vitesse nominale, le courant nominal, glissement nominal, donc il faut faire une petite correction. Alors, la majorité des moteurs asynchrones dans l'industrie fonctionnent à un niveau inférieur à la pleine charge. On est à peu près à 80%. Et le problème dans une industrie, c'est qu'on ne peut pas travailler en pleine charge parce que c'est l'installation qui commande, pas le moteur électrique. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On mesure donc la bande 1-2G en ampères pour un certain glissement, donc une charge réduite. Et il faut la ramener à la charge nominale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie donc cette valeur par un coefficient, broken bar corrector. Ce coefficient, il est, donc c'est expérimental. Donc, ça, c'est expérimental. Il n'y a pas de définition. C'est une définition mathématique qui vient de l'expérience. Donc, BBC égale G nominal sur G0. G0, donc, c'est égal à NS moins NR sur NS. NR, donc, c'est la vitesse réduite. Et ici, G nominal, c'est NS moins NR avec NR, la vitesse nominale, divisé par NS. Et donc, là, on aura donc une nouvelle valeur corrigée de NC. Donc, NC corrigé, c'est 20 log et nominal sur EJ nominal. J, ça veut dire gauche. Ici, ça. Ça veut dire la bande latérale inférieure au gauche. C'est ça. Donc, et nominal, il correspond à cette fréquence en ampères. D'accord? On peut aussi définir un autre facteur qui est le broken bar corrector, qui est proposé, donc il peut être appliqué pour compenser l'estimation de BBF réduite. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On calcule donc pour cette fréquence le BBFR et on le multiplie par le BBC et on trouve le BB, le broken bar réel. D'accord? Il faut tenir compte de ce coefficient pour justement aller vers le point nominal. D'accord? Très bien. Maintenant, on peut voir ici l'effet de la charge sur les harmoniques 1 plus moins 2 kJ. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que cette harmonique n'existe pas pratiquement à vide. Pourquoi? Puisque le glissement, il est très, très faible. Et donc, 2kJ, supposons k égale 1, 2J, il est très, très faible. Si on le multiplie par Fs, il est très faible. Donc là, F moins
de Kg, elle est très très faible à vide. Et pour voir donc l'harmonique ici, donc nous avons un signal fréquentiel d'une machine électrique à vide avec défaut. Pour voir le défaut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut charger la machine. Donc ça, c'est très important. Coulement chargé ou la machine, à chaque fois qu'on augmente la charge, l'amplitude ici augmente. Là, on est à mi-charge, 50% de la charge. On est à peu près à 0,01. Si on augmente la charge, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'amplitude augmente. Ici, cette amplitude, elle augmente. Et là, on voit aussi que l'harmonique, elle se déplace à gauche. Donc, il y a deux choses à remarquer dans cette courbe. La première chose, c'est que à vide, il n'y a rien, on ne peut rien voir. Et donc, pratiquement, il faut aller au moins à 20% de la charge pour voir les harmoniques dues au défaut rotoré. Donc, il faut aller au moins à 20% de la charge pour voir donc cette harmonique. Là, on est à 50% de la charge. À 20% de la charge, on la voit ici. Et donc, quand on charge le moteur, elle va se déplacer dans ce sens. Donc là, on est à 50% de la charge. Et là, on est à 100% de la charge. Donc, on voit, quand j'ai diminué la charge, cette fréquence, elle se déplace vers la fréquence 50 Hz. À l'inverse, ici, elle se déplace dans ce sens. D'accord? Là, donc, on a 1 moins 2G, 1 moins 4G, 1 moins 6G, etc. D'accord? Là, on a un organigramme des différentes étapes. Si on veut faire donc un programme pour détecter les bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà le programme qu'on va donc le réaliser. Ce programme, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre donc dans ce programme? Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce programme? On fait donc l'acquisition des données du signal, donc I de T. On estime le glissement. Donc, d'après la plaque signalétique de moteur, nous avons, quand on lit la plaque signalétique, nous avons la vitesse nominale. Donc, on peut calculer le glissement. Estimé, pas réel. Estimé, qui égale donc 1S moins 1R sur 1S. On prévoit les fréquences donc de défaut, plus ou moins 2G fois FS. Il suffit de prendre K égale 1. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On fait le balayage. Qu'est-ce que ça veut dire le balayage? Ça veut dire on vient ici et on cherche cette fréquence. D'accord? On prend 30, 35, 40, 45, etc. jusqu'à arriver à cette fréquence. Et il faut la comparer avec la formule. Donc ici, il faut créer un programme qui définit les fréquences. Parce qu'en pratique, on peut trouver plusieurs fréquences. Par exemple, si je vais voir une courbe expérimentale. Ici, j'ai la courbe expérimentale. Comme vous voyez, j'ai cette fréquence, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Quelle est la fréquence qui correspond à 1 moins 2G? Donc, il faut partir et à chaque fois calculer et vérifier avec la courbe qu'on a déjà calculée, estimée. Ici, on est proche, donc cette fréquence dans la courbe expérimentale. Donc, cette valeur est la valeur qui correspond au défaut. D'accord? Donc, on estime le glissement, on estime donc la fréquence du défaut et on fait le balayage. Et bien sûr, avant, il faut passer par la transformée de Fourier. Donc, on a le signal temporaire et il faut faire la transformée inverse, enfin la transformée effective. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le programme. Est-ce qu'il y a des harmoniques?
Donc, on calcule des harmoniques. Ici, ils sont proches de ces deux fréquences. On essaye de calculer l'amplitude ou bien les seuils. Si on est dans le vert, donc on n'a pas atteint le seuil, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de défaut. Si le seuil est atteint, donc il y a des défauts. Donc, à partir de 40, 50, 40, on peut dire qu'il y a des défauts. Ici, s'il n'y a pas de fréquence 1 moins 2J ou bien 1 plus 2J, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut. D'accord? Donc, ici, on peut dire qu'il n'y a pas de défaut. Soit que il n'y a pas de fréquence ou bien que on n'a pas atteint le seuil. D'accord? Maintenant, on va essayer de voir les paramètres qui influent sur l'amplitude, donc grand N. Donc, les grandeurs de bande 1 plus 2JF sont fonction de nombreux facteurs. Le premier facteur, c'est la gravité des défauts. Donc, si le nombre de barres augmente, l'amplitude de défaut augmente. Il y a aussi un autre facteur qui influe sur les défauts, c'est la conception de la cage. Est-ce que c'est simple cage, double cage, cage rond, cage bouteille, etc. Cage trapézoïdale, cage rectangulaire. Bien sûr, vous connaissez que, bon, j'espère que vous avez vu ça dans la conception des machines, les barres n'ont pas toujours la même allure. On peut avoir des barres rondes, des barres carrées, des barres trapèzes, des barres en forme de bouteille. De l'amplitude de 1 moins 2J fois Fs. Il y a aussi le nombre de barres qui peut influer. Donc, si on a un petit nombre de barres ou bien un grand nombre de barres, l'amplitude, elle est influencée. Il y a aussi le nombre de pôles. Donc, si on a une machine à 2P égale 4 ou bien 2P égale 2 ou bien 2P égale 6, on n'a pas la même remarque sur l'amplitude de 1 moins 2J. Et il y a le dernier point qui est l'inertie du rotor. Et on a vu que le moment d'inertie influe sur l'amplitude de l'harmonique 1 plus 2J et peut-être même 1 moins 2J. Et donc, si on augmente l'inertie de la machine, ça peut influer sur l'amplitude grand N. D'accord? En conclusion, pour un défaut de cassure de barre, il y aura donc de nouveaux harmoniques 1 plus moins 2kJ fois Fs, et aussi les barres cassées influent sur la vitesse.